إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors, chers frères, chers sœurs, nous allons rentrer dans un nouveau programme. Nous allons étudier un livre qui est l'explication du Nukhbat al-Fikr. Nukhbat al-Fikr, qui est un livre qui a été écrit par Al-Hafiz ibn Hajar, qui fait partie des savants des hadiths, qui est connu, celui qui a fait l'explication du Sahih al-Bukhari, qui est Fath al-Bari, qui est un grand livre, n'est-ce pas, aujourd'hui, et qui n'est plus à présenter. Alors, nous allons faire le sharh de ce livre qui a un rapport ou qui traite de la science du hadith, ou sinon les terminologies du hadith, pour être un peu plus précis, c'est-à-dire le mustalah du hadith. Bien évidemment, à l'intérieur s'y trouvent aussi certaines questions ou certains points qui ont directement un rapport avec le ilm al-hadith. Alors, nous allons faire le sharh d'Al-Hafiz ibn Hajar lui-même. J'ai choisi le sharh d'Al-Hafiz ibn Hajar. Et ce livre, Nukhbat al-Fikr, déjà, je tiens à rappeler que ce n'est pas Nukhbat al-Fikr. Beaucoup de personnes, quand ils prononcent ce livre, ils disent Nukhbat al-Fikr. Ça arrive. Et les gens pensent en fait que c'est Nukhbat al-Fikr. C'est pas Nukhbat al-Fikr. C'est Nukhbat al-Fikr. C'est-à-dire, c'est le Fatha. Il y a le Fatha sur le Kaf. Il n'y a pas de Sukun là-bas. Donc, c'est pas Nukhbat al-Fikr. Mais c'est Nukhbat al-Fikr. Jade. Alors, ce livre a été écrit par Hafiz ibn Hajar à la demande de certaines personnes. J'ai dit à certaines personnes qui lui ont demandé d'écrire un livre dans le mustalah al-hadith. Et donc il a écrit ce livre. Et vous allez voir que beaucoup de savants qui écrivent des livres, c'est souvent à la demande des étudiants. Souvent des gens qui demandent, Yacher, est-ce que tu peux nous faire l'explication de tel livre? Yacher, est-ce que tu peux nous écrire tel ou tel livre? Et donc, il a fait ce livre à la demande de certaines personnes. Mais, dans ce qu'Al-Hafiz ibn Hajar a eu à écrire, il y avait des choses qui n'étaient pas compréhensibles pour certaines personnes. Et donc, ils ont demandé à Al-Hafiz ibn Hajar de faire encore l'explication de ce livre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui étaient incompréhensibles pour certaines personnes. Il y a des gens qui ne comprenaient pas certaines choses. Et donc, ils ont trouvé qu'il y avait un peu de difficultés par rapport au livre. Et donc, ils ont demandé à Al-Hafiz ibn Hajar s'il pouvait faire l'explication du livre. Et donc, il a fait l'explication du livre. Donc, c'est lui-même qui a écrit le livre, Nukhbat al-Fikr. Ensuite, il a fait lui-même l'explication de son livre. Qui est Nukhbat al-Fikr. Qu'il a nommé Nuzhat al-Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr. Et j'ai choisi ce livre, pourquoi? Parce que déjà ça englobe un peu la science du hadith. Celui qui a fait l'explication de ce livre, du début à la fin, il aura quoi? Par la grâce d'Allah, il aura déjà des bases dans la science du hadith. Et j'ai aussi choisi, parmi les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce livre, n'est-ce pas? C'est parce que aussi, déjà il y a moins d'explications. J'ai remarqué qu'il y a moins d'explications en français du ilm al-hadith, du mustalah al-hadith. Moins d'explications. C'est vrai, on trouve certains livres traduits où on parle de certaines étymologies et certaines terminologies, etc. Certaines terminologies en hadith. Mais une explication détaillée, c'est rare. Et aujourd'hui, on a besoin de cette science qui est la science du hadith, les frères. On a besoin de cette science qui est la science du hadith. Parce qu'aujourd'hui, les gens se permettent de parler mal de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens se permettent de prendre des hadiths qui sont dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih al-Muslim,
de rendre ça faible n'importe comment, de venir embrouiller des gens avec des chaînes de transmission et tout ça, et les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent absolument rien. Vous voyez des gens qui s'argumentent des hadiths da'ifa, des hadiths inventés, des hadiths faux, des hadiths faibles, des hadiths, subhanallah, tu te demandes que, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est quoi? Bisabab al-jahl, à cause de l'ignorance de cette science. Et donc, des cours en français, n'est-ce pas, dans la science du hadith, j'ai trouvé vraiment, c'est très rare, Jade, et parce que les gens pensent en fait qu'on n'a pas besoin de cette science. Mais vous verrez qu'on a vraiment besoin de cette science. On ne peut se passer de cette science. On a besoin de cette science dans notre religion. Car c'est à travers cette science qu'on préserve, n'est-ce pas, la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai choisi l'explication d'Al-Hafiz ibn Hajar lui-même. Donc nous allons lire, nous allons donc étudier l'explication d'Al-Hafiz ibn Hajar lui-même. Donc, c'est lui-même qui a écrit le livre Nukhbat al-Fikr, et c'est lui-même qui a fait l'explication de ce livre Nukhbat al-Fikr, qu'il a nommé donc Nuzhat al-Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-Athar. Et l'explication, pourquoi j'ai choisi aussi l'explication d'Al-Hafiz ibn Hajar lui-même? Parce que celui qui a écrit le livre connaît mieux ce qu'il a écrit. Il connaît mieux ce qu'il a écrit, donc il est mieux placé pour expliquer ce qu'il a écrit. Ça ne veut pas dire que on ne pouvait pas prendre une autre charge, ou bien ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas expliquer, non. Mais celui qui a écrit le livre est mieux placé, n'est-ce pas, pour expliquer ce qu'il a voulu dire. Et le qu'on soit là en train de dire qu'est-ce que Al-Hafiz ibn Hajar a voulu dire ici, qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, lui-même, il s'est chargé de faire l'explication de son livre. Et comme disait cet écrivain-là, Arabe, il disait quoi? Anamu mil ujufuni an shawaridha wa yasharu al-khalq jarraha wa yahtasimu. Jayd, il dit quoi? Anamu mil ujufuni an shawaridha wa yasharu al-khalq jarraha wa yahtasimu. Jayd, c'est-à-dire quoi? Il va écrire un bait et il va aller dormir. Les gens vont rester à veiller en train de discuter. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ce bait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non, il a voulu dire ça. Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire ceci. Non, c'est pas ça. Il a voulu dire ceci. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas expliqué cela. C'est pourquoi il disait Anamu mil ujufuni an shawaridha wa yasharu khalq jarraha wa yahtasimu. Donc celui qui a écrit, n'est-ce pas, le vers est mieux placé pour expliquer son verset. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar lui-même, il va le dire d'ailleurs dans ce livre que nous allons étudier, que celui qui a écrit le bait, celui qui a écrit le vers, il est mieux placé pour expliquer ce qu'il a écrit. Et comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres explications, ou bien qu'on ne peut pas expliquer, n'est-ce pas, le livre, ou bien on ne peut pas prendre l'explication d'autres personnes. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Jade, il y a des savants qui ont fait l'explication du Nuzha, comme le Cheikh Ibn Othaymin, qui a fait un bon charh aussi de ce livre-là, qui est le Nuzha al-Nazar. Il a fait un très bon charh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup profité de ce charh. Jade. Alors, donc, on a demandé à Hafiz ibn Hajar de faire l'explication de ce livre qui est Nukhbat al-Fikr. Et donc, il a fait lui-même le charh de ce livre. Et donc, c'est ce charh que nous allons étudier ensemble. Et on espère qu'on va terminer ce livre. Et la science du hadith, il est très important pour nous de comprendre certains points, les frères. La science du hadith est très importante pour l'étudiant. La science du hadith est très importante, surtout à notre époque. Surtout à notre époque. Vous voyez tout ce qui se passe, comment les gens prennent des hadiths du prophète, on rend des hadiths qui sont dans Bukhari, musulman, on vient comme ça, quelqu'un, on ne sait même pas d'où il sort. Il se lève un bon matin, il vient dire, non, c'est da'if. C'est da'if. Toi, tu as appris la science du hadith où? À quel moment? Et comme, parce que si tu ne connais pas cette science-là, comment tu vas défendre la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu vas défendre la sunna de ton prophète? Comment tu vas défendre la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Bidon ilm, sans la science. De plus, vous voyez beaucoup de gens, à cause de l'ignorance de cette science, ils s'argumentent des hadiths maudou'a, mukhtari'a, masnou'a, des hadiths inventés, faux. Utlub al-ilm wa la ubissin, rechercher la connaissance, même jusqu'en Chine. Batil, hadith batil, c'est un faux hadith. Les jama'at al-tablir, tu les vois toujours avec ce hadith-là. Utlub al-ilm wa la ubissin, rechercher la connaissance, même jusqu'en Chine. Subhanallah. Soumou tasihou. Jeûnez, vous serez en bonne santé. Da'if, la yasih. La yathboutani, nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est même plus que da'if, ça. Est-ce que vous voyez? Les gens s'argumentent des hadiths faibles. La chose halal la plus détestable auprès d'avoir le divorce. Da'if. C'est pas authentique. Le mois du ramadan est accroché entre les cieux et la terre. Voilà le ramadan qui arrive, on va écouter plein de hadiths da'if, là.
Le mois du Ramadan de la personne est accroché entre les cieux et la terre, ça ne monte pas parce qu'il n'a pas donné zakat au fitr. Da'if. Le début du Ramadan, c'est un pardon, son milieu est une miséricorde, la fin, l'affranchissement de l'enfer. Da'if. Le paradis se trouve sous les pieds des mers. Da'if. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui est souvent à la mosquée ou qui va à la mosquée, attestez de sa foi. Da'if. Dans la biographie du prophète Mohammed, n'en parlons même pas. Des hadiths ont été cités, ont été dit, le prophète est né circoncis. Ça, c'est pas authentique. Da'if. Là, c'est. Oh non, Hamza, il y a une femme qui avait pris le cœur de Hamza et puis elle a mangé ça. Tout ça, da'if. Là, c'est. Voilà, yasbout. Tout ça, c'est quoi? C'est l'ignorance de cette science. L'ignorance de cette science pousse des gens à faire quoi? À s'argumenter des textes qui ne sont pas authentiques. On va parler, la langue du paradis, c'est la langue arabe. Où est le hadith authentique qui dit ça? Hadith un da'if. Tout ça pourquoi? Parce que les gens n'ont pas connaissance de cette science. Les gens vont. Quelqu'un va aller prendre un livre. Le livre, parfois, on t'écrit même sous le livre. Da'if. On t'écrit en bas Mursal. On t'écrit Mudalis. Seil Hid. Il y a une coupure. Il a une mauvaise mémorisation. Mais comme les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas ces termes-là, qu'est-ce qu'ils font? Il suffit seulement, c'est-à-dire les gens aujourd'hui, c'est quoi? Il suffit qu'ils voient un livre, on dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, c'est fini. Il est déjà là en train de parler. Il commence déjà à raconter. Mais qui t'a dit que c'est tout ce qu'on dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à dire? Et sans compter encore ceux qui sont dans les mosquées, qui viennent avec des livres remplis de hadiths de Haïfa, et ils viennent bombarder ces gens dans les mosquées. Hein, les jama'at ou tablir. Ils vont te faire sortir le livre Hayat al-Sahaba. Un livre qui est rempli de hadiths de Haïfa. Le livre, la vie des compagnons. Et ils vont te commencer à raconter, c'est-à-dire ils vont porter ça dans la mosquée. On va te raconter de ces histoires. Non, il est parti comme ça, l'autre était parti là-bas, il a fait ceci ou cela. Comme les gens aiment aussi les histoires, les gens sont là aussi dans la mosquée, en train d'écouter. Tout ça, c'est quoi? Manque de quoi? De connaissances. C'est comme un frère, une fois, il est venu m'a présenté un hadith. Et je lui ai dit, est-ce que ce hadith est authentique? Il m'a dit, oui, c'est authentique et tout. Ibn Qayyim a cité même ça dans son livre, La médecine prophétique. J'ai dit, mais qui t'a d'abord dit que tous les hadiths que Ibn Qayyim a cités dans son livre, La médecine prophétique, sont authentiques? Maintenant, je lui ai dit, apporte-moi le hadith. Quand je regarde le livre, je regarde le hadith, je regarde en bas, c'est juste écrit, il y a un rapporté à l'intérieur qui a un problème de mémorisation. J'ai dit, mais mon frère Barak Al-Ofik, ici on t'a dit qu'il y a un rapporté à la chaîne qui a un problème de mémorisation. Il dit, alors, j'ai dit, mais ça veut dire que c'est da'if? Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est da'if, c'est faible. Ah bon? Ah bon? Est-ce que vous voyez? Il me dit, ah bon? Mais oui. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens ne connaissent pas cette science. Les gens n'apprennent pas cette science. Et donc, ça amène des gens à faire quoi? À tomber dans des erreurs. Jade? Et quant à ceux qui disent, non, on n'a plus besoin d'apprendre ça, le Ibn al-Hadith, parce qu'aujourd'hui, on a déjà les Kutubla, Sahih, Sahih Fulan, Sahih al-Sheikh al-Albani, Sahih Ahmed Shakir, Sahih Ibn Imam Ahmed, Sahih al-Bukhari. Donc, on n'a plus besoin de. Hada qawlun batil. Batilun bil marra. Batilun bil marra. Pourquoi les savants expliquent les livres de Mustalah? Si on n'a pas besoin de connaître cette science, les savants expliquent ça pourquoi? Donc, il n'y a pas de faïda. Et puis, les savants expliquent ça. Et quels sont les critères, toi? Parfois, les savants divergent. Les savants peuvent diverger sur une mas'ala. Un savant dit que le hadith est da'if. Un autre savant dit non, le hadith n'est pas da'if, le hadith est sahih. Quels sont les critères? Tu te bases sur quoi pour prendre l'avis de tel savant et pas prendre l'avis de l'autre? Tu te bases sur quoi pour prendre l'avis, n'est-ce pas, du savant qui a dit que c'est sahih? Ou tu te bases sur quoi pour prendre l'avis du savant qui a dit que c'est da'if? C'est quoi le dorbit? Quand tu fouilles, parfois tu vois, c'est la passion. Le même savant, il va te dire, non, je prends le hadith, tel savant authentifié. Mais le même savant, là, dans une autre masse, là, il va rendre le hadith da'if, là, il ne va pas prendre. Mais pourquoi tu n'as pas pris? Non, là, je ne prends pas, je prends là. Donc, ça devient quoi? C'est comme si c'est une passion, en fait. Là où le cœur penche, c'est là-bas où tu prends. T'as dit, là où tu sens que, bon, ça concorde avec mon avis, tu prends. Donc, si cet avis-là, c'est-à-dire que l'avis qui dit que le hadith est da'if, ça concorde avec ton avis, tu vas chez le savant qui a dit que c'est da'if. Si l'avis qui dit que le hadith est dans un savant, tu vas. Donc les gens parfois ils n'ont pas de doabit. Et ça c'est comme un frère m'avait dit une fois. Il dit tant que les savants ne sont pas unanimes que le hadith est da'if, donc on doit prendre les savants qui ont authentifié le hadith. Qui t'a précédé dans ça?
que à chaque fois que les savants divergent sur un hadith, on doit prendre l'avis des savants qui ont authentifié le hadith. Qui t'a possédé dans ça? Est-ce que vous voyez? Donc les gens parfois, c'est quoi? C'est la passion. Ici, tu vas dire non, on n'a plus besoin. J'ai dit, on n'a plus besoin. Ok, les savants divergent sur un hadith. C'est da'if ou bien c'est pas da'if? Toi maintenant, tu vas prendre un avis. Tu vas prendre quoi? Nécessairement, tu vas suivre un savant, tu vas prendre un avis. Ok, Jade. Tu vois cette personne-là qui te dit, on n'a plus besoin aujourd'hui d'étudier le da'if, sahih, on n'a plus besoin de tout ça. Tu vois cette même personne qui va prendre l'avis d'un savant, et quand toi, tu vas venir dire que le hadith, le da'if, il sera le premier à vouloir débattre avec toi. Et quand tu vas lui demander que c'est quoi le hadith même da'if, il sera incapable de te faire un tafsir. Il serait incapable de te faire un tafsir. C'est comme une fois j'ai discuté avec quelqu'un. Oh non, le hadith est muttarib, le hadith il est muttarib et tout. J'ai dit, ok, barakallahu fik ya akhi. Tu sais pourquoi les savants qui ont dit que le hadith est muttarib, tu sais pourquoi ils ont dit que c'est muttarib? Et tu sais pourquoi les savants qui ont authentifié ce hadith là, ils ont dit que ce n'est pas muttarib, tu sais pourquoi? Incapable de me répondre. Est-ce que vous voyez? Donne-moi la définition des hadiths muttarib, incapable de me répondre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que aujourd'hui, ça devient quoi? C'est le balbala. Hein? C'est le désordre. Les gens veulent, c'est-à-dire que ça devient quoi? On suit poursuivre. On est là-bas, yallah. On est là-bas, yallah. Il n'y a pas de mal. Quelqu'un peut faire le taqlid. Quelqu'un peut suivre un savant. Le Hafiz ibn Hajar, il l'a dit clairement dans le Nukat. Que la personne qui n'a pas des bases, etc., dans l'ilm, le hadith et tout, il fait le taqlid, il n'y a pas de mal. Mais de là maintenant, venir débattre, tu fais le taqlid, c'est ce que tu appelles le ilm. Tu viens maintenant débattre, tu viens engager un débat d'une heure de temps, alors que tu n'as même pas les rudiments, tu n'as même pas les bases dans l'ilm, le hadith. C'est dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de divergences reposent parfois sur l'authenticité d'un hadith. C'est-à-dire, si le hadith est authentique, c'est un hukm. Si le hadith n'est pas authentique, c'est un autre hukm. Aujourd'hui, lorsque les savants débattent, est-ce qu'on doit descendre au sujoud avec les genoux ou bien avec les mains? Quand tu regardes le khilaf revient sur quoi? Sur des hadiths. Ces hadiths-là sont authentiques ou c'est pas authentique? C'est un débat. Est-ce qu'on doit se relever du ruku', du sujoud en pliant les poings? C'est un hadith. Donc le khilaf repose sur le hadith. Et plein de masaïl comme ça, vous trouvez que la divergence repose sur le hadith, sur un hadith. Si c'est authentique, ça donne telle sentence. Si c'est pas authentique, ça donne une autre sentence. On fait comment? Les gens n'ont pas de droit, les gens sont embrouillés. Ils ne savent pas. Quelqu'un va prendre un livre, le livre, comme je vois souvent, j'ai vu des gens, il te fait des publications, t'as dit publie le livre, mais en bas, juste en bas, on dit bien en bas que le hadith est da'if. Et pourtant c'est écrit en bas, hein, da'if. Mais il publie quand même. Tu dis, mais mon frère, mais tu ne vois pas comment c'est écrit en bas de Haïf, sauf que c'est faible. Ah oui, oui, c'est. Mais c'est une chose. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens n'ont pas des principes. Les gens n'ont pas des principes. Notre religion, c'est quoi? C'est le Isnad. Hein? Abdelhaïd Moubarak disait, Al-Isnad minad-din. Walaoula al-Isnad, la qala mancha amasha. Il dit, la chaîne de transmission fait partie de notre religion, elle fait partie de la religion. S'il n'y avait pas ça, chacun devait dire ce qu'il veut. Tout le monde peut venir dire, le prophète a dit. Le prophète a dit, tel a dit. Il faut quoi? Il faut le tafabout. Il faut le dalil. C'est pourquoi il faut quoi? Il faut étudier cette science. On ne te demande pas, c'est-à-dire si tu peux devenir muhaddith, alhamdoulilah. Mais ce qu'on te demande, c'est de connaître au moins les bases, l'essentiel. Ce qui va te permettre d'adorer ton Seigneur avec clairvoyance et pourquoi pas de défendre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre ces gens qui viennent aujourd'hui, n'est-ce pas, rejeter, rendre faible les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourtant qu'aucun savant, n'est-ce pas, n'a rendu faible. Et on a besoin de la science du hadith, c'est-à-dire on a besoin de la science du hadith dans notre religion, dans toutes les disciplines. Partout on a besoin de la science du hadith. On a besoin de la science du hadith dans les tafsirs, dans le tafsir. On a besoin de la science du hadith dans le tafsir. Et vous allez, le ramadan s'approche là. Vous allez voir des gens qui vont faire des tafsirs avec des hadiths. Subhanallah. Parfois tu t'assois, tu dis mais subhanallah. Qu'est-ce qui se passe? Dans le tawhid, on a besoin des hadiths.
On a besoin du hadith parce que le tawhid, la croyance va être basée sur quoi? Hadith authentique et non pas des hadiths faibles. On a besoin de la science du hadith. Dans le, même dans la langue arabe, on a besoin de la science du hadith. Même dans la langue arabe. Parfois, vous allez voir certains arabes ou certains grammairiens arabes, ils vont s'argumenter de certains hadiths pour justifier une règle, pour dire par exemple que ça c'est venu dans la langue arabe, etc. C'est vrai que la majorité de leur argumentation, c'est, ils prennent ça dans les ash'ar, dans les, comment on appelle, les poèmes. Mais parmi eux, il y en a qui s'argumentent des hadiths. Mais tu regardes dans les livres, là, les livres des adab, des hadiths, ou des asar qu'on te rapporte des compagnons, des trucs vraiment, c'est-à-dire que c'est da'if. Parfois c'est même da'if jidden, parfois c'est même pas des isnad. Hein, le hadith là, Addamani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Hein, mon Seigneur m'a éduqué, il a parfait mon éducation. Et Shaza, tout ça c'est quoi? Tout ça c'est parce que les gens ont délaissé cette science. Les gens sont en train de s'écarter de cette science. Même dans le fiqh, on a besoin du ilm, le hadith, les frères. Même dans le fiqh, c'est pas ce que j'avais entendu quelqu'un, un jour il avait dit. Il avait dit, moi, non. Moi, je suis un faqih, hein. Moi, le hadith, non, nous, c'est le fiqh. Tafqa ish. Tafqa bidouni hadith. Tu fais quel fiqh bidouni hadith? Tu fais le fiqh bidouni hadith. Quelqu'un qui veut faire du fiqh, ton fiqh est basé sur quel dalil? C'est pas basé sur les dalils. Si tu, quelqu'un qui fait le fiqh, il laisse les hadiths du prophète, il fait abstraction des hadiths du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il veut faire le fiqh avec le ra, et avec sa raison, il va faire plein d'erreurs. Il va s'écarter de la vérité. Il va s'écarter de la vérité. Tu dois faire, ton fiqh doit être basé sur les hadiths, sur les hadiths authentiques du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tafqa ish. Je suis faqih, je ne sais pas les hadiths. Faqih, tafqa ish. C'est pourquoi l'imam Zahabi, Ibn Qayyim disait quoi? Il disait, Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رؤي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذر من التعطيل والتشبيه. Il disait que la science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, et non pas du camouflage. La science ne consiste pas à ce que tu mettes avec insolence en opposition la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'opinion d'un savant. Et prends garde de refuser de renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méfie-toi de toute négation et de tout anthropomorphisme. Il disait ça dans le Fawaid. Donc, Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu. Qala as-sahabatu laysa bit-tamwih. Ma al-ilmu nasbaka lil-khilaf safahatan bayna ar-rasuli wa bayna ra'i faqih. Donc tu fais le fiqh, si tu fais un fiqh bidouni hadith, tu laisses les hadiths du prophète à côté. Tu contredis les hadiths du prophète, tu fais le fiqh, c'est ça le fiqh. C'est quel fiqh ça? Et ceux qui disent que les savants du hadith, c'est ça pas des fuqaha, haza qawlun batil, c'est-à-dire ils n'avaient pas le fiqh, haza qawlun batilun bil marra. Batilun bil marra. Allah subhanahu wa ta'ala a donné le fahm à ces savants-là, ces savants du hadith. Il n'a qu'à voir, l'imam al-Bukhari c'est un savant du hadith, l'imam Bukhari c'est un faqih. Il n'y a qu'à lire seulement les titres de l'imam al-Bukhari dans son sahih. Jusqu'à les savants s'étonnent. L'imam al-Bukhari t'a fait des istimbatat. Subhanallah, tu regardes le hadith, tu dis, mais comment il a fait sortir ça du hadith? Tu t'étonnes. L'imam al-Bayhaqi, c'était pas il fait pas partie des savants du hadith. L'imam al-Nasa'i, l'imam Abi Daoud, ça c'est pas des fuqaha. L'imam al-Shafi'i, faisait partie des savants du hadith. L'imam Malik, faisait partie des savants du hadith. C'est pas des fuqaha. L'imam Tirmizi, faisait partie des savants du hadith. Parmi les fuqaha. L'imam Tohawi, tous ces savants-là. Où est-ce que tu mets tous ces savants-là? Et j'ai le kalam. Qui a fait le charh du Sahih al-Bukhari? C'est pas Al-Hafiz ibn Hajar, Muhaddith. Donc, venez dire comme ça que les savants du Hadith, ce n'étaient pas des fuqaha. Kalam bardil. Bilashak. Tu fais du fiqh, tu fais abstraction des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu te reposes sur le ra'i, sur la raison.
Mais tu t'éloignes de la vérité. Tu t'éloignes de la vérité. Maintenant, Intabe Ohona. L'explication que nous allons faire du Nouzha, c'est ici, c'est juste pour vous donner des bases. C'est juste pour vous donner quoi? Des bases qui vont te permettre de comprendre certains points dans la science du hadith et de voir si les savants, par exemple, divergent sur un hadith. Ces savants l'ont dit que c'est daif, d'autres ont dit que c'est sahih. Pourquoi ceux-là ont dit que c'est authentique? Pourquoi ceux-là ont dit que c'est sahih et c'est daif? Bon, la divergence se situe à quel niveau? Ça se situe à ce niveau. Bon, on a appris dans la science du hadith tel qaïda. Et ici, là, quand on regarde ici, donc l'avis, les savants qui ont dit que c'est daif, leur avis est plus proche. Donc, c'est juste quoi? C'est pour t'aider. Jade, c'est pas parce que tu vas faire, c'est pas parce qu'on va finir ce livre-là, tu vas sortir de là, maintenant tu penses que tu deviens muhaddith. Parce qu'il y en a aussi qui se croient, maintenant on sait pas. Tu vas maintenant commencer à penser que tu peux contredire les savants n'importe comment, tu peux venir comme ça, tu viens de haïfer les hadiths. La science du hadith, ça demande des années d'études. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui donne le paradis pour tout ce qu'il a fait pour cette communauté. Pour tout ce qu'il a fait pour cette communauté. Cheikh Al-Albani, il a fait un demi-siècle dans cette science. Un demi-siècle dans cette science, le ilm al-hadith. Donc toi, tu l'as un bon matin parce que tu as fait un petit livre. Tu penses déjà que tu peux, tu commences à prendre les hadiths. Non, c'est daif, non, c'est sahih. Là, intabihuhuna, Jade, ici, ce n'est quoi? C'est juste des bases, n'est-ce pas, que des règles, des principes qu'on va apprendre. Jade, qui vont t'aider, qui vont te donner un peu de basseur dans ton din. Mais ce n'est pas quoi? Ça ne veut pas dire que quand tu auras fini ça, tu connais déjà la science du hadith, tu maîtrises déjà tout là. Jade, chacun doit se mettre à notre niveau. Nous sommes des étudiants, nous sommes des toulabs. Nous ne sommes pas des savants. Donc on ne doit pas commencer à faire quoi? À rentrer, c'est-à-dire que à faire des choses qui nous dépassent. Jade, on doit se limiter à notre niveau. Donc ici, le but, c'est juste d'avoir un peu de base, n'est-ce pas? Des qaïd, des points par rapport à certains principes. Jade, de ilm al-hadith, de comprendre c'est quoi un hadith sahih, c'est quoi un hadith da'if, c'est quoi un hadith hassan. Jade, on va aussi parler de quelques règles avec, en rapport avec le jarh wa ta'adil. Parce que le Hafs ibn Hajar va en parler, va venir avec. C'est quoi le jarh? C'est quoi le ta'adil? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un jarh et on a un ta'adil? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de jarh, si on n'a pas de ta'adil? Et on va aussi voir le mazhab de certains savants. Pourquoi on a dit que tel savant c'est mutassah, il est laxiste? Pourquoi on a dit que l'autre il n'est pas laxiste? Jade? Et de là vous allez voir, vous allez être éclairé, vous allez être éclairé sur plusieurs choses. Par la grâce d'Allah. Jade? Donc ici, le charh que nous allons faire, c'est juste comme je viens de vous dire, c'est pour vous donner quoi? Des bases qui vont vous permettre. Maintenant avec le temps. Tiens-toi les belles ilmes, tu avances au fur et à mesure, tu avances au fur et à mesure, tu apprends, tu prends tel livre, tu fais le charh de ce livre, tu fais le charh de l'autre livre, un autre livre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter. Okay? Il faut quoi? Il faut que chacun, il faut qu'on se mette à notre niveau. Nous quand on dit hadith un da'if, c'est pas nous qui avons rendu ça faible. Quand on dit ce hadith est faible, c'est pas nous qui avons rendu ça faible. Ce sont des savants du hadith qui ont rendu ça faible. Jade, ce sont des savants du hadith qui ont rendu ça faible. Jade, donc ici, le but ici c'est quoi? C'est d'avoir des principes, des règles qui vont te permettre de comprendre certaines choses. Jade, et non de sortir de là, tu vas faire ce livre du début à la fin pour dire que quoi? Pour dire que non, j'ai fait un livre sur le hadith de Al-Hafiz ibn Hajar. Donc, je peux maintenant dire que je peux prendre des chaînes de transmission. Dire que je vais faire un tasrih ou bien un tarif. Là. Jade. Intabihu lihaza. Alors, avant de commencer, avant de rentrer dans le charh, dans l'explication du livre, il y a d'abord des points qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître ici. Et que j'aimerais bien rappeler. Premièrement, le hadith. C'est quoi le hadith? Quand on dit al-hadith, c'est quoi le hadith? Alors le hadith, les savants disent en langue arabe, c'est amrun jadid. C'est aussi le khabar. On peut aussi appeler ça le khabar, l'information. Donc, c'est une chose nouvelle, c'est l'information. Mais ce qu'on veut ici, c'est dans l'istilah.
Dans l'istilah, al-hadith, dans la terminologie, les savants, le hadith, c'est maudif à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in qawl al-fi'l ou taqrir. Jaïd. Le hadith, bon, on ajoute sifat khulqiyya wa khulqiyya. C'est ce qu'on attribue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation, description physique ou morale. Ça, on appelle ça quoi? Al-hadith. On appelle ça quoi? Al-hadith. Jaïd. Alors, ici, il y a une divergence des savants. Est-ce qu'on peut appeler le athar hadith? C'est-à-dire, est-ce que le hadith, c'est seulement pour la parole du prophète, l'acte du prophète, les approbations du prophète, la description physique morale? Ou bien on peut aussi utiliser le mot hadith, par exemple, pour la parole d'un compagnon, la parole d'un tabi'i. Donc, si un compagnon nous rapporte un hadith, ou bien si un compagnon donne une parole, c'est sa parole à lui. C'est pas la parole du prophète, c'est la parole du compagnon. Est-ce que cette parole du compagnon peut appeler ça hadith? Un tabi'i, est-ce qu'on peut appeler ce qu'il dit là, si un tabi'i donne une parole, est-ce qu'on peut appeler ça hadith? Alors ici, il y a une divergence des savants. Certains savants du hadith, certains savants disent que le hadith, on utilise ça que pour ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est rapporté du compagnon, c'est-à-dire ce que le compagnon rapporte, c'est-à-dire c'est sa parole ou son acte, etc. Il dit ça, là, on ne dit pas que c'est un hadith. Ça, là, on appelle ça athar. On appelle ça quoi? Athar et non hadith. Le hadith, c'est la parole du prophète Mohammed. C'est-à-dire ce qui est rapporté du prophète comme parole, approbation, acte, comme ce qu'on a, déjà, c'est-à-dire comme on a expliqué. Jaïd. Et ces savants sont appuyés sur quoi? Ils sont appuyés sur un hadith qui est venu dans le Sahih, le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Il a dit, « Ya Rasulallah, ma as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyama. » Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, « Laqad zanantu ya Abu Huraira, an la yas'aluni an hadha al-hadith ahadun awla mink. Lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith. » Il a dit, oh messager d'Allah, quelles sont les personnes les plus en droit de mériter ton intercession ou bien de bénéficier de ton intercession yawm al-qiyama? Au fait, il a dit, oh Abu Huraira, il savait que personne ne devait me poser la question sur ce hadith là si ce n'est toi, à cause de l'engouement que je vois en toi concernant le hadith. Concernant le hadith. Donc, ils disent que le prophète a ici parlé, n'est-ce pas, du hadith pour parler de ses paroles. Ils disent donc ça veut dire que le hadith est restreint à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hadith, c'est ce qui est rapporté du prophète. Ce qui est rapporté des compagnons, donc les mawqufat, les maqtu'at, ça, on ne peut pas appeler ça hadith, on appelle ça athar. Et il y a d'autres savants qui disent non. On peut aussi appeler, même ce qui est rapporté par un compagnon, on peut dire que c'est un hadith. Même ce qui est rapporté par un tabi'i, on peut dire que c'est un hadith. On peut dire que c'est quoi? Al-hadith. Et ça, c'est le zahir de l'avis de l'imam Ahmed. Parce qu'on rapporte que l'imam Ahmed a dit, « Soha min al-hadith, sabu'miyat hadith. » Sabu'miyat hadith. Qu'il y a au moins 700 hadiths authentiques. Jade, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 700 hadiths authentiques. Jade, alors quand il a dit 700 hadiths authentiques, qu'est-ce qu'il veut? 700 hadiths authentiques ici, c'est seulement des hadiths, c'est-à-dire des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses approbations et ses actes. C'est pourquoi l'imam Bayhaqi, il a fait le ta'liq lorsqu'il a fait une annotation par rapport à cette parole. Il a dit, il a voulu par là ce qui est venu, ce qui a été prouvé des compagnons, des tabi'in. Donc ça veut dire que l'imam Ahmed, le zahir de son avis, c'est quoi? C'est qu'il voit que même ce qui est rapporté du compagnon, on peut appeler ça hadith. L'imam al-Bukhari aussi, le zahir aussi de son avis, c'est qu'il voit qu'on peut appeler hadith, même ce qui est rapporté des compagnons. Ce qu'on dit qu'il a dit, ahfaz miyat alf hadith. Il dit, j'ai mémorisé 100 000 hadiths. Vous imaginez?
Et Ibn Salah, lorsqu'il a fait la notation à cette parole, il a dit, il a voulu par là les marfouat, les mawkoufat, les maqtouat. Donc ce qui est marfou, ce qui a rapporté jusqu'au prophète, ce qui a rapporté les compagnons, ce qui a rapporté les tabi'in. Parce que là, ce n'est pas juste des hadiths du prophète. 100 000 hadiths, ce n'est pas juste des hadiths du prophète. Il y a aussi les paroles des compagnons, les paroles des tabi'in. Et bien évidemment, comme les savants disent, les savants de hadith, parfois un seul hadith, si ça a plusieurs chaînes de transmission, si par exemple un seul hadith a 4 chaînes de transmission, considère ça comme 4 hadiths. C'est-à-dire c'est le même hadith, mais ça a 4 chaînes de transmission. Il considère ça comme étant 4 hadiths. Alors qu'en réalité, c'est un seul hadith. Jaid. Alors, ce qui est plus proche, nous disons la base, c'est que le hadith, c'est ce qui est prouvé du prophète Mohammed, ce qui est rapporté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on appelle le hadith. Jaid. Maintenant, on peut dire hadith aussi pour parler de ce qui est rapporté d'un compagnon, ce qui est rapporté d'un tabi'i, mais il faut préciser. Je dis par exemple, ça c'est un hadith qui est venu maqouf. Ou bien c'est un hadith qui est venu maqtoua. Jade, il faut préciser. Parce que si tu dis seulement un hadith, ici on pense à quoi? La parole du prophète, l'acte du prophète, l'approbation du prophète, ou bien la description physique ou morale du prophète. Donc il faut faire quoi? Il faut préciser. Jade, tu dis hadith, c'est mawkouf. Hadith, marfou. Donc c'est un hadith qui est venu. C'est la parole d'Ibn Omar. C'est la parole d'Omar. Radiallahu anhuma. Jaid. Radiallahu anhuma. Jaid. Alors, ça c'est ce qu'il faut retenir ici. Al-Amr Sahal. Alors, c'est quoi le ilm al-hadith? C'est quoi le ilm al-hadith? La science du hadith. C'est quoi la science du hadith? Comme a dit l'imam Suyuti, il a dit l'ilm al-hadith zu qawanina tu had. يدرى بها أحوال المتن والسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود يعني كوا علم حديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن والسند فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود الإمام السيوطي دي la science du hadith. C'est une science en rapport avec l'apprentissage des règles et des principes permettant de parvenir à la connaissance du récit, donc du contenu du hadith, la chaîne de transmission, donc de connaître les rapporteurs et ce qui est rapporté, dans le but de connaître les récits qui sont acceptés de ceux qui ne sont pas acceptés, ou de ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la science du hadith. C'est une science en rapport avec l'apprentissage des règles, c'est une science qui étudie ou qui parle des règles et des principes. C'est une science qui parle des règles et des principes nous permettant de parvenir à la connaissance du matn, donc le contenu du hadith, le récit, et de la chaîne de transmission, jait, donc la connaissance des rapporteurs et de ce qui est rapporté, afin de connaître ce qui est accepté de ce qui ne l'est pas. C'est ça la science du hadith. Le ilm, le hadith, c'est ça. Donc, dans l'ilm al-hadith, tu apprends des règles, des principes, des qawaid qui nous permettent d'étudier quoi? Le isnad, la chaîne de transmission, qui nous permet d'étudier le contenu du hadith, donc le matn, la parole du prophète, la parole qu'on attribue au prophète ou au compagnon, au tabi ou bien à un des imams. Jade, pourquoi on étudie ces paroles-là? Pourquoi on étudie ça? Afin de savoir ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Donc, tu as les qawaid, des règles. Ces croyances et des règles vont te permettre de faire quoi? D'étudier les chaînes de transmission, d'étudier les contenus, les récits, donc les contenus, les paroles qui sont rapportées. Pourquoi tu étudies ça? Le but, c'est de savoir ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. C'est ça le ilm al-hadith. Maintenant, est-ce que le ilm al-hadith, c'est le ilm al-mustalah? La science du hadith, est-ce que c'est la science de la terminologie du hadith? Parce qu'on a le ilm al-mustalah, qui est la science de la terminologie des hadiths. On va te dire, le hadith hasan, ça veut dire ça. Hadith gharib, ça veut dire ça. Hadith sahih, ça veut dire ça. Ça, c'est le ilm al-mustalah, qui consiste à connaître les terminologies des savants des hadiths. Donc, les terminologies des hadiths. Est-ce que ce hadith-là, comment le hadith sahih veut dire quoi? Le hadith hasan veut dire quoi? Le hadith gharib, le mashhur veut dire quoi? Donc, est-ce qu'on peut appeler le ilm al-mustalah, ilm al-hadith, et le ilm al-hadith, ilm al-mustalah?
Donc, est-ce qu'on peut appeler la science du hadith la science de la terminologie des hadiths? Et est-ce qu'on peut appeler la science de la terminologie des hadiths la science du hadith? Alors, ici, il y a un débat. Il y a un débat des savants sur cette question. Il y a des savants qui disent que non, on doit faire la différence entre le ilm le hadith et le mustalah le hadith. Nous avons la science du hadith, nous avons la terminologie, les terminologies des hadiths. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Ils disent le ilm le hadith, c'est aram min mustalah le hadith. C'est-à-dire le ilm le hadith, la science du hadith, c'est plus général que la science des terminologies du hadith. La science des terminologies du hadith n'est qu'une branche de la science du hadith. Parce que dans la science du hadith, on ne se limite pas seulement aux terminologies des hadiths, de savoir que le hadith Hassan veut dire ça, le hadith Sahih veut dire ça, non. Il y a le ilm le jahh wa ta'dil. Hein? Il faut connaître le ma'rifat al muttafiq wal muftariq. Il faut connaître également les dates de naissance des rapporteurs, les dates de mort des rapporteurs, quand est-ce qu'il est rentré, lui, les tobokot des rapporteurs. Hein, il est dans quel tobokot? Hein, quand est-ce que lui, il est rentré dans tel pays? Lui, il fait partie de quel pays? Donc, il y a cette étude également. Turuq al-tahammul, l'acquisition, comment apprendre l'acquisition, n'est-ce pas? Le takhrij. L'acquisition du hadith, le turuq al-tahammul. Il y a aussi le takhrij. Comment faire le takhrij d'un hadith? Tout ça, ça rentre dans le ilm al-hadith. Tout ça, ça rentre dans quoi? Dans le ilm al-hadith. Donc, ils disent que le ilm al-hadith est plus vaste. Quand on dit la science du hadith, c'est plus. Ça englobe, c'est général. Ça englobe plusieurs disciplines, plusieurs sciences à l'intérieur. Donc, le mustalah, donc la terminologie des hadiths, ce n'est qu'une branche du ilm al-hadith. Et il y a d'autres savants qui disent, il n'y a pas de mal qu'on dise le ilm al-hadith, la science du hadith, ilm al-mustalah, ilm al-hadith, et ilm al-hadith, le mustalah. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal qu'on dise, qu'on appelle le mustalah al-hadith, ilm al-hadith, et qu'on appelle le ilm al-hadith, mustalah al-hadith, il n'y a pas de mal. Pourquoi? Ils disent parce qu'on a vu des livres, où c'est des livres dans le mustalah. Mustalah al-hadith. Ça, les terminologies dans la science du hadith. Mais dans ces livres de mustalah, on trouve plusieurs choses qui ont un rapport avec le ilm al-hadith. Parfois dans ces livres-là, on parle des takhrij. Parfois dans ces livres-là, on parle de jarh wa ta'dil. Parfois dans ces livres-là, on parle de ma'rifat al-muftariq. Mutafiq wa al-muftariq. Al-mu'talif wa al-mukhtalif. On parle de tout ça dans ces livres-là. Pourtant, ce sont des livres de mustalah. Donc, ça parle un peu de beaucoup de sciences de... Ça parle un peu de beaucoup de sciences du hadith. Donc, il n'y a pas de mal que le mustalah al-hadith, qu'on appelle ça ilm al-hadith. Qu'on appelle ça ilm al-hadith, il n'y a pas de mal. Jid. Al-amr sahl. Jid. Comme on dit la mushaha fil istilah. Ici, c'est pas vraiment. Il n'y a pas trop de quoi. Il n'y a pas trop de samarot dans cette divergence. Jid. Donc, le asl, on dit le asl, c'est qu'on dise mustalah al-hadith. Qu'on dise ilm al-hadith. Jid. Mais maintenant, si le mustalah, ça englobe plusieurs principes, plusieurs choses dans le ilm al-hadith, il n'y a pas de mal qu'on dise ilm al-hadith. Comme par exemple ici, le nuzha qu'on va étudier, Inch'Allah. Hein, ça ne se limite pas juste aux terminologies. Ça parle de plusieurs choses qui ont un rapport avec le ilm al-hadith. Alors, avant qu'on ne puisse rentrer dans le sharh, dans l'explication, il y a aussi des choses qu'on doit comprendre et qu'on doit connaître ici. Le muhaddith, c'est qui le muhaddith? Quand on dit quelqu'un, il est muhaddith. C'est un savant du hadith. Qu'est-ce que ça veut dire muhaddith? L'imam Suyuti nous dit: Amma al-muhaddith fi 'asrina fa huwa man ishtaghala bil hadith riwayatan wa diraya wa jama'a ruwat wa tala 'ala kathir min ar-ruwat wa riwayat fi 'asrihi wa tamayyaza fi dhalika hatta 'urifa fihi khattuhu واشتهر فيه ضبطه فإن توسع في ذلك حتى يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقا بعد طبقة
بحيث ما يعرف ما يعرف من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحافظ. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب الحديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء فذلك بحسب زمنهم. Il dit quoi le Hafiz al-Suyuti? Il dit quant au muhaddith à notre époque. Il dit quant au muhaddith à notre époque, il parle de son époque. C'est celui qui s'occupe des hadiths, se consacre aux hadiths, les chaînes de transmission, le contenu des hadiths, donc le récit. Il a regroupé les rapporteurs, il a une connaissance de nombreux rapporteurs et de nombreux récits à son époque. Et il s'est distingué dans ça au point où son écriture est connu, sa capacité de mémorisation également. S'il s'élargit dans ça au point de connaître ses chiours, les chiours de ses chiours, Jade, étape par étape, au point où il connaît de chaque étape, ou ce qu'il connaît de chaque étape est plus que ce qu'il ignore, il dit à ce moment, dit qu'il est Hafiz. Il dit quant à ce qu'on rapporte de certains anciens, Jade, comme quoi ils disent nous ne considérons pas quelqu'un du hadith s'il n'a pas écrit 20 000 hadiths. Il dit ceci, c'est par rapport à leur temps. Il dit ceci, c'est par rapport à leur temps. C'est le muhaddith. Donc le muhaddith, celui-là qui est quoi? Qui a vraiment une lecture dans le ilm, le hadith, dans les kutub des hadiths, les ruats. Il connaît les rapporteurs des hadiths, il connaît les chaînes de transmission. Hein? Il connaît les degrés des rapporteurs. Celui-là, il est da'if, celui-là, il n'est pas da'if, celui-là, il est à tel niveau, celui-là, il n'est pas à tel niveau. Et le hafiz al-Iraqi, il y a le muhaddith, في عرف المحدثين من يكون له كتب وقراءة وسمع ووعى وحصل أصول من متون الأحاديث وفروع من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف التصنيف. جيد. Il dit le muhaddith dans ce qui est connu chez les gens du hadith, chez les gens les savants du hadith, les muhaddithun, il dit c'est celui qui a des livres, des lectures, hein, des écoutes, compréhension, qui a obtenu plusieurs récits de leur origine, n'est-ce pas, ou de leur copie, des livres, où il y a des chaînes de transmission, des ilal, n'est-ce pas, des défauts non apparents dans le hadith, hein, le ilal, parce que la illa, c'est une cause, n'est-ce pas, c'est une défaillance en fait, qui est cachée dans la chaîne de transmission, n'est-ce pas, qui empiète sur l'authenticité du hadith, bien que de manière apparente, le hadith est dépourvu de cette défaillance. Jade, qui a aussi quoi? Les livres des chroniques et à peu près 1000 livres. Donc en un mot, le muhaddith, c'est celui-là qui a une grande connaissance dans la science du hadith, dans les turuq, dans les rijal. Il connaît les rapporteurs des hadiths, il connaît leur degré. Jaïd, il connaît à quel moment on dit qu'un hadith est sahih, à quel moment on dit que c'est da'if. Jaïd, à quel moment, n'est-ce pas, on dit qu'un rapporteur, il n'est plus fiable. Il connaît les alfaz de jarh wa ta'dil. Jaïd, il connaît, c'est-à-dire qu'il a une grande connaissance dans quoi? Dans le ilm, le hadith. Il a une grande lecture. Une lecture profonde dans les asani, des chaînes de transmission. Alors, certaines personnes ont dit le muhaddith chez les anciens savants, c'était celui-là qui rapportait les hadiths. Qu'il soit sikha, qu'il soit da'if, qu'il ait la connaissance des asani, tout ça ou pas, c'est un muhaddith. Le muhaddith, c'est celui qui rapporte les hadiths. Ils se sont appuyés sur quoi, ces gens-là? Ils disent que l'imam al-Hakim, il a mené dans son livre Al-Ulum al-Hadith, quand il a donné l'exemple des riwayat al-Akabir an al-Saghir, c'est-à-dire des grands qui rapportent des petits, on verra ça, Inch'Allah. Il a dit quoi? Il a dit min haza al-nu' min al-ilm an yarwi alim al-hafiz mutaqaddim an muhaddith al-lazi lam la ya'lam ghayr al-riwayat min kitabin. Il dit فينبغي أن يعلم الطالب فضل التابع على المتبوع. Qu'il a dit quoi parmi les catégories de cette science? C'est le fait qu'un savant, un hafiz, n'est-ce pas, rapporte d'un muhaddith qui ne connaît pas, n'est-ce pas, la riwaya. Il a dit qui ne connaît pas. C'est-à-dire on l'a appelé muhaddith bien qu'il ne connaît pas la riwaya. Les riwaya. Okay? Donc ils disent quoi? Il dit, ça montre que le muhaddith, c'est celui qui rapporte des hadiths, qu'il ait une maîtrise, une connaissance des chaînes de transmission ou pas.
Parmi les arguments aussi, ils disent que l'imam Zahabi a dit: Mata ra'ayta al-muhaddis yafrah bi'awali ha'ulai fa'alam annahu 'ammi ya'udduha. Lorsqu'il a parlé de les chaînes de transmission élevées, isnad 'ali, on verra ça inshallah. C'est le fait que la chaîne de transmission soit courte, c'est-à-dire il y a peu de rapporteurs. C'est-à-dire, par exemple, si l'imam Bukhari rapporte, par exemple, jusqu'au prophète Mohammed, ça peut-être trois personnes entre l'imam Bukhari et le prophète Mohammed. On dit que cette chaîne de transmission, elle est élevée. Elle est Ali. Donc, l'imam Zahabi, quand il parlait de ça, il a dit quoi? Lorsque tu vas voir le Muhaddis être content du peu, du petit nombre de rapporteurs qu'il y a dans la chaîne de transmission, sache que c'est un ami qui est en train de compter. Sache que c'est un ami. Pourquoi? Parce qu'en fait, il suffit pas, c'est-à-dire, il suffit pas ici que il suffit pas que la chaîne de transmission y ait peu de rapporteurs. Non, il faut que ça soit authentique. Les mêmes avaient dit, quand tu verras le muhaddis être content du petit nombre là, quand tu verras le muhaddis être content du petit nombre qui est dans la chaîne de transmission, petit nombre de rapporteurs qui est dans la chaîne de transmission, sache que c'est un ami. Parce qu'en fait, lui, il ne regarde pas est-ce que c'est authentique ou c'est pas authentique. Lui, il est content parce qu'il y a un peu de rapporteurs dans la chaîne de transmission. Un tel et le prophète a peut-être 3 personnes ou 4 personnes, il est content. Donc c'est authentique, c'est pas authentique, c'est pas ce qui lui intéresse. C'est pourquoi l'imam Zahabi dit, si quand tu verras le muhaddis être content, n'est-ce pas, de ce oulou là, du petit nombre de rapporteurs qu'il y a dans la chaîne de transmission, il sache que c'est un ami ya'udduha. Wajd dalala ici. Il a appelé ici muhaddis. Et pourtant il a dit c'est un ami. C'est un ami, quand même, un ami va être muhaddis. Donc ça veut dire ici que le muhaddis, chez ces savants-là, c'est celui qui rapporte des hadiths. Donc celui qui rapporte des hadiths, les muhaddis. Donc qu'il ait une grande connaissance en science du hadith, ou bien qu'il n'ait pas une grande connaissance en science du hadith, c'est un muhaddis. À la kulli hal, nous disons ici quoi? Que le muhaddis, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, pour quelqu'un qui soit appelé muhaddis, il faut qu'il atteigne un degré dans le ilm al-hadith. Jade, il faut qu'il atteigne un degré dans le ilm al-hadith. Jade, on voit quand même quelqu'un aujourd'hui, il ne connaît rien de la science du hadith. On va dire c'est un muhaddis. Tout simplement, on va dire non parce qu'il rapporte le hadith. Là, Jade. Et puis aussi, il faut aussi parfois comprendre les istilah des savants. C'est pourquoi l'imam Suyuti a dit quoi? Il a dit le muhaddis à notre fi asrina, à notre époque. Le muhaddis à notre époque. Amman muhaddis fi asrina, c'est ce qu'il a dit. Le muhaddis à notre époque. Donc, il tabirou l'ihaza. Donc, voilà un peu ce que je voulais expliquer avant qu'on ne puisse rentrer dans l'explication du livre. Et aussi, avant de clôturer cette séance, par rapport au hadith du prophète, où il a dit, parlant de l'engouement d'Abu Huraira, concernant le hadith, le hadith dans lequel certains savants se sont appuyés pour dire que le hadith doit être restreint au prophète Mohammed, ce qui est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien, ce hadith nous montre tout simplement quoi? Que ce qui est rapporté du prophète, on appelle ça hadith. Ça nous montre que ce qui est rapporté du prophète, on appelle ça hadith. Et ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème dans ça. Ce qui est rapporté du prophète, on appelle ça hadith. Là, il n'y a pas de problème. Jaïd, le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est est-ce qu'on peut aussi appeler ce qui est rapporté du compagnon, c'est-à-dire ce que le compagnon rapporte, c'est pas la parole du professeur, c'est la parole du compagnon. Est-ce que ça aussi, on peut appeler ça hadith? C'est là le débat. Donc le débat n'est pas est-ce que on peut appeler hadith, c'est-à-dire est-ce que ce que le professeur, ce qui est rapporté du prophète, on appelle ça hadith? Le débat n'est pas là-bas. Donc le hadith nous prouve que ce que le prophète dit et ce qui est rapporté du prophète, on peut appeler ça hadith. Et ça n'a pas de débat. Le problème, c'est est-ce que on peut appeler aussi la parole d'un compagnon ou d'un tabi'i, est-ce qu'on peut aussi appeler ça hadith? C'est là où se trouve le débat. Donc, faut pas qu'on mélange les. Donc, cet style-là, là, n'est pas très fort. Jaïd. Parce qu'on sait très bien que le hadith, dans la langue arabe, on appelle ça quoi? C'est le khabar aussi. Jaïd, c'est le khabar. Jaïd. Alors, donc, voilà un peu ce que je voulais rappeler comme introduction avant qu'on ne puisse rentrer dans l'explication du Nuzhat al-Nazar fi tawdihi nukhbat al-fikr fi mustalahi ahli al-athar al-Hafiz ibn Hajar. C'est un très bon livre et inchallah on va vraiment apprendre des choses, n'est-ce pas, à travers ce livre. Et on demande bi'iznillah
Jade, et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, n'est-ce pas, qu'il nous facilite et qu'il fasse, n'est-ce pas, qu'il mette cet acte, n'est-ce pas, dans notre balance yawm al-qiyamah, et qu'il fasse vraiment qu'on profite vraiment du ilm, qu'il nous donne une science profitable, qu'il nous donne une science profitable. Donc on va s'arrêter ici et on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous maintienne sur la voie droite, qu'il nous maintienne sur le manhaj salafi, qu'il nous maintienne sur la voie, n'est-ce pas, de ses envoyés. Wa subhanaka allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.